Hey, salut tout le monde, c'est Faudrage. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play. Donc on en était où? Alors je vais juste voir l'inventaire. Ouais, on est pas lourd, donc c'est bon. On va pouvoir y aller. Je sais plus du tout où on en est côté quête. Je crois que j'ai commencé à. Je crois que j'ai continué en fait les quêtes principales, sûrement. Les quêtes secondaires, on va les laisser un peu de côté. On va faire un peu la quête principale, je pense. Journal. Quête de faction. Non, allez, on va partir sur la quête principale. Et la quête. Ah bah, c'est de l'autre côté. Ok. On va essayer d'avancer un peu dans les quêtes principales parce que ça fait un bon moment, j'ai fait que des quêtes secondaires et ils n'arrêtent pas d'en donner des quêtes secondaires, donc on va un petit peu se calmer là-dessus. Et on va faire la quête principale. Thank you again for retrieving the bolt. It's every bit as complex as I'd heard, but I'm up to the challenge. Anyway, what can I do for you? Donc en fait, à cause des ondes radio et tout ça, ça faisait un petit peu le bordel. Et j'étais venu voir lui pour qu'il arrête en fait de faire ces ondes radio. Et il a dit pour qu'il arrête ces ondes radio, il lui fallait un objet. Et cet objet, je lui ai donc ramené. J'ai des questions sur... Alors, d'accord. Oh non, il y aura I've que asked du myself blabla. the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then, it was known as Terra 1. Activez vos autres As entreprises. you may have noticed, this planet has more than its share of hazards. That ain't fair. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice. The hazards just gave them a reason to put to paper. Sharp as ever, Nyoka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. MSI's leadership at the time certainly thought so, but there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. It's humane, but it's also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. I hope you'd treat them nice, whether it was good business or not, Mr. Sanjar. That's what being a community means. Treating people right, because it's the right thing to do. Hear, hear. That may not be the way the colony works, but it damn well oughta. A noble thought, Miss Holcomb. Unfortunately, noble thoughts rarely sway board policy. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Ok. Technically, that may be true, but he couldn't be bothered to do the necessary paperwork to exploit it now, could he? Anyway, it didn't matter at the time. MSI's then leadership insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Oh yeah, y a trop de blabla, y a franchement trop de blabla. Je voudrais pas passer une demi-heure à faire que du blabla. In a manner of speaking, many of us stayed behind in an act of quiet but firm defiance. As the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch,
The other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. But we weren't trying to. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Okay. Bon, on va passer parce que franchement c'est... They own nearly all... Yeah. Blabla. Ah. Persuasion. Pas la peine d'éviter du C. On est partenaire, non? Ouais. I suppose you're right. Graham. D'accord. Until what can then it's good that I keep what can I do for you? Ça y est. Ok, fou. Si j'aurais eu le temps, je m'amuserais à tout lire, mais il faut quand même que ça bouge un peu. Hein. Mais oh, c'est bizarre, il faut encore lui. Tout. Journal. Il faut que je termine quelle quête. Alors. Ah, j'ai quand même des quêtes. Les quêtes secondaires que. Les quêtes secondaires, je suis quand même obligé de les faire. Oh zut. Bon bah c'est parti. Je suis obligé de les terminer pour continuer ma quête. Ma quête principale. Donc j'ai pas le choix. Donc c'est parti. Toi, on va te modifier un petit peu. Moins 30% durée d'effet de statut négatif. Pour le... Donc, toi, on accepte. Et toi, on va te mettre la même chose parce que c'est pas mal. Mince. Alors. Ouais, là, c'est vachement loin. On va prendre la carte. C'est parti. C'est parti. Pour être franc, il y a tellement de quêtes que je suis un petit peu perdu dans les quêtes. Il y a tellement d'histoires et tout que... Que c'est un peu le foutoir. You seen Arthur today? Catherine's great, ain't she? She'll pull you out of this. So tell me. Do we drink to the damage you've done? Or will I want to smash this bottle over your head? Parlons plutôt d'autre chose. Sure. Alors. Secrète sur, sur Monarch. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the Northern Bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely. Ok. Allons. Vous ne savez vraiment pas plus. We are friends, but them who push me end up dead. D'accord. Look, I don't know if this is related, but it ain't escaped my notice that one of my regulars been lingering a little too long at the gambling bar. She's been acting twitchy, even for her. Ask at the bar about a customer who shows up bi-weekly. My staff may know more.
Je reviens tout de suite, j'ai le téléphone qui sonne. Heureux. C'est vraiment embêtant leur système de pub à la con là, que j'ai au téléphone pour leur panneau solaire ou leur chauffage machin. Vraiment de l'arnaque tout ce truc là. Bon, on en est où? Ok. Oh là là, j'ai énormément d'appels pour des panneaux solaires. Bon, les panneaux solaires pour l'instant c'est pas trop ça. Mais c'est plus pour le chauffage et tout ça du gouvernement et tout qui disent que tout est gratuit alors que qu'on sait très bien qu'il n'y a rien qui est gratuit. Et on peut leur dire à chaque fois non, on n'est pas intéressé. Une semaine après, c'est le même groupe, le même machin qui nous rappelle de nouveau pour leur foutu panneau solaire. Ou leur chauffage machin. Well, gotta admit, you're tougher than I expected. Aha. On va essayer de passer au-dessus. Si je peux ne pas les attaquer, ça m'arrangerait. Oh. Ouais. On va attaquer ceux-là. Oh yeah, j'ai plus de munitions. Je pensais pas que ça partira aussi vite ces munitions. Alors, entomophobie. Vous êtes trop souvent fait attaquer par des insectes et vous perdez désormais un peu les pédales quand ils vous attaquent. Rejeté. Cela ne m'intéresse pas. Wow, je pensais pas perdre autant de munitions tout de suite là. 1700, ouais. Ok. Ok, bon, bah c'était un test, hein. Fallait faire un test. Je me suis dit qu'en suivant le mur, peut-être que... Que ça marcherait, mais non. Oh, carte. Je voulais aller plus vite, c'est pour ça. Can we talk? Je dois parler au barman? Lieu de livraison. Mais je dois quand même parler au barman. J'ai pas vu ces points là en fait. On va parler au barman et tout. Bon, heureusement que je suis mort parce que finalement je les aurais pas parlé sinon. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine sent you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? Alors, rien, juste ouais. Let me think back. Yeah, I got a regular who's been twitchier than normal lately. Every time she bets, she loses big. Then she pounds a mountain of daiquiris upstairs. D'accord. You gotta ask Yvonne. She'd know Ms. Twitchy better than me. Ok. Et l'autre, qui est en haut, normalement. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? On voudrait des infos. Alors, je cherche quelqu'un. Oh, it does ring a bell. I remember one lady. She never penned a name in the book.
Her friend Huxley placed the collateral for her. Huxley's with the Iconoclasts. Know of her? She's not quite all there. Does give her trouble from time to time. Anywho, she's probably in Amber Heights with the rest. Ok, c'est bon. Voilà. J'ai encore un autre gars à parler, je crois. Non. C'est ça, j'ai plus rien à parler. Hein. Ah, les munitions, j'en avais plus beaucoup. Hein. En fait, avec l'arme que j'ai, les munitions partent très très rapidement. On va s'acheter des munitions alors. J'ai 98, voilà, c'est ça. Les munitions lourdes qu'il faut que j'achète. Ok. Des munitions lourdes. On voit si je s'acheter des munitions. Mais je peux pas prendre plus. Ouais, je suis un peu déçu sur les munitions que je peux acheter. En fait, en attaquant les bestioles et tout ça, forcément, eux, ils me donnent pas beaucoup de... Ils me donnent pas beaucoup de munitions et tout, donc au lieu d'attaquer les bestioles, on va attaquer les gars alors. On va les attaquer eux parce que au moins comme ça ils ont un peu de munitions sur eux. Il n'y a pas des caisses ici que je peux fouiller. Là. Ok. Alors je peux aller là-bas ou je peux aller là-bas. On va aller là-bas. Hein. Lieu de livraison. I'd stake my reputation on this being an ambush. We ought to see if anybody's still alive. They might be too weak to call for help. Il y a des ennemis pas loin, je les entends. Alors, une draine de sang s'éloigne de la chercheuse. Ok, et on est bon, je pense. Ouais, on est bon. Je peux rien faire là avec le sang. Ah d'accord, je dois les suivre. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans.
J'entends des ennemis. T'étais où? Ok. Ils sont super bien planqués les mines, hein. Ok. Pistolet, munitions. Ouais, tout ça c'est bien. Celui-là on va le laisser. Stay back. Ok. I may be wounded, but I'm still armed. How'd you get past my traps anyway? T'as pas entendu que j'ai tiré dessus? j'ai mes techniques. Just remember, I still got bullets, in case you get any funny ideas. What are you doing out here anyway? Ok, médecin. That feels a mite better. Wish I had something to give you, but I gnawed through my last spratwurst an hour ago. D'accord, c'est quoi toutes ces pièges? Je veux savoir ce qui se passe ici. Catherine had us making drops for some big shot client out here. Un gros client, ouais. Before you ask, I don't know who they are, or were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. D'accord. On dirait que ça s'est passé. Ouais, vous pensez qu'ils sont morts? Marauders were waiting for us. They blew the bridge and took off with the shipment. D'accord. Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right when you get out of here. If you've got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook, just as soon as I've caught my breath. D'accord. Munitions. C'est une bonne planque ici par contre, hein. Ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Voilà, c'est ça, puis l'argent. Oh, il y a énormément de choses intéressantes. Ouais mais non, bah ça je m'en fous. Ok, je pense qu'on est bon. Côté matos. S'il n'y a pas quelque chose au-dessus là, ouais. Je pense pas que je peux monter. Hop, on va sortir d'ici. Et il a dit que en sortant d'ici, on tourne à droite. Alors on va voir. Si on veut les poursuivre, c'est à droite. Donc ça serait là-haut.
Ah bah de toute façon, il nous montre quand même le... Pas trop comment ça marche cette arme, mais on va la tester. Ok, il y a un gars là-bas. C'est chelou leur cas physique. Non, on n'en veut pas. Ah, alors attendez, attendez. À force d'avoir pris trop de coups, vous êtes désormais vulnérable aux dégâts physiques. Ah, si on récupère ça, oui. 15% de dégâts au corps à corps restitués sous forme de santé. Ah, que moi j'inflige. Ouais, mais j'attaque pas au corps à corps. Toutes les dégâts de zone et dégâts plasma subis sont réduits. Ah oui, ça on veut. Ok. J'ai pas vraiment eu le temps de vraiment bien regarder quelle... Qu'est-ce que les munitions utilisent en fait. Enfin, qu'est-ce que le pistolet donne en fait. Parce que... Ça, on avait fouillé. Ça les stone un petit peu en fait. Ça les met KO. Donc contre un boss ou quoi, ça peut être intéressant. Mais contre un groupe en entier, bof bof. Il me faut une... Toi... Voilà. Ah non, c'est pas des trucs que j'ai. C'est pas vraiment... Voilà, quand il y a un ou deux gars, ça devrait aller, mais plus l'arme servira à rien. Alors... Voilà, on ouvre déjà la porte. Je vais l'utiliser de temps en temps pour... Utiliser moins de munitions possible. C'est bon, ouais. Ok, allez, on monte. Voilà. En plus, ça les déconcentre et je prends le contrôle du gars, il attaque ses potes. De toute façon, c'est ça, hein, c'était l'arme, ça se disait ça, hein, rayon de contrôle mental. Ouais, c'était l'arme là qui
Ça, je veux. Après, pour les boss, pour ceux qui sont un peu plus costauds, je ne sais pas si ça marche. Là, j'ai pas mal d'équipements. 112. Ah, ça va, je pensais en avoir plus de... Ok. Alors, c'est de l'autre côté, mais on va aller là. Ah, d'accord, c'est juste pour sortir. Alors, je veux juste récupérer tout ça. Voilà. On prend tout ça. Alors, données de recherche, bim. Trouver la preuve d'une présence industrielle sur Monarque. Ok. Autre nom de projet. Tac. Ok. On va lire tout ça. C'est bon. Je pense que oui. Voilà, on peut ressortir d'ici. C'est parti. Oh. Ah non, oui. C'est par là-bas. Donc on a celui-là ou celui-là. On va aller au plus près, hein. Est-ce que je prends le contrôle d'une créature aussi? Je suis curieux de voir. Il y a des mines ici. Non mais n'attaquez pas. Ça laisse le temps quand même à mes collègues d'attaquer, donc c'est pas mal. Oh le bruit quand même que ça fait, c'est bizarre. C'est chelou, hein. Alors. As your engineer, I advise you not to set foot on that, especially with Bendy. Ok, on bouge. Je voudrais des munitions. Ça augmente doucement les munitions, punaise. Ça monte très doucement. Déjà fouillé ça, ouais. Ok, alors. Ah, c'est là-bas. D'accord. on se bouge. I ought to mention, the iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire. Ah, hello. Good to see you again. Ok, alors vous avez réussi à rentrer. Damn right. Ain't nothing in the wilderness can stop me, except being locked up. D'accord. Je suis à la recherche de Chastite, machin. Oh, she's such a gem. She gambles with me whenever I've got time to stop through Fallbrook. Ooh, I bet she's hiding. Does that when she owes people money. I'll leave her be though if she doesn't want to be found.
D'accord. Moi, je voudrais quand même la trouver. Donc la soudoyer. Okay, I guess. She's got a secret base in the middle of nowhere. I'll mark it on your map. D'accord, ok. Let's talk. T'es reparti, on repart. Mais peut-être qu'avant de partir, on va peut-être vendre si je peux. Est-ce qu'on peut avoir un bar ou un truc du genre à vendre ici? Est-ce qu'on peut lui vendre des trucs? Non, ok, ils veulent pas. Un petit magasin ou quoi? Non, ça marche pas. Ils ont peut-être pas ici. Bon, c'est pas grave. Alors, on va vite faire jeter un coup d'œil pour voir un petit peu ce qu'on a eu quand même. Donc les petits pistolets on s'en fout, les trucs au corps à corps pour être franc on s'en fout hein. Ça aussi, carabine à plasma, fusil d'assaut léger, normalement moi j'ai les bons trucs. Ouais, j'ai des bons trucs et nos compagnons, eux, on peut leur mettre autre chose au corps à corps si jamais ils sont obligés. Voilà, et t'as un petit pistolet, mais finalement on peut te mettre un truc, un lance-flamme. Normalement elle attaquera au corps à corps, donc normalement le lance-flamme elle n'aura pas besoin, mais on sait jamais. On ne sait jamais, on verra bien ce que ça. Si elle l'utilisera une fois ou pas. Je pense que les ennemis en hauteur où elle peut pas les atteindre à ce moment-là, elle utilisera les armes, je pense. Ok, direction là-bas. Est-ce qu'on peut utiliser le TP? Ouais. C'est quand même beaucoup plus pratique hein, avec ça. Hein. Ah, j'ai pas regardé par contre les armures à la rigueur. Ouais, juste un casque à 29. Et 29. Normalement, niveau casque, on était bon. Niveau casque, on était bon. Persuasion 5. Déviation des armes à distance. Plus 3, ouais c'est bon. Mince, on est bon. Ouais, c'est là, ok. Allez. Ok. Alors, quête terminée, bim. You've had a sobering effect on... Sir... Alors on va passer tout ça. J'ai trouvé une cartouche de données contenant des détails sur l'expérience. Ouais. On va mettre les données. Ok. Je dois y aller. Quête terminée. Si je veux un journal. Est-ce qu'on a des quêtes de nouveau à terminer là-dedans ou quoi? Terminer la quête, son nom est Bolt. Alors. Ok, erreur cachée, on vient de le finir. Le transporteur. Est-ce qu'on le transporteur, on l'avait fait? Oui. La prix de la presse. Ça aussi. Bah normalement c'est bon, non?
retourner voir l'informateur. Hop. Là, je peux pas utiliser le TP. Ah, à moins que. Ah, si. Si, ça marche quand même. D'accord. Ah oui, à chaque fois, je sors de la ville pour utiliser le TP, mais ça sert à rien. Ok. Donc, c'était ici que je devais attaquer. Et quand j'ai fait ma vidéo, en fait, ça n'avait pas marché. Donc, en fait, vous avez pas pu voir quand j'ai attaqué cette base. Donc, l'informateur qui est caché derrière une porte avec un haut-parleur pour lui parler. Je sais plus par où passer par contre. Ouais, je sais plus par où passer. Ça c'est pour ressortir, d'accord. Ah. Est-ce que c'est là? Voilà. Ok. C'est au-dessus et je crois que c'est par là. Oh yeah. Voilà, et c'est ici qu'on peut lui parler. It's the blessed sound of radio silence. Which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. N'aime plus de transmission, les données sont prises. Yes, indeed. Ok, on va passer. Hop. D'accord, parfait, c'est d'accord, comment il voit. Ok. Ça, c'est juste des explications. Compris. Have some information for me? I may have a secret for you, for the right exchange. Ask me what you will. Not much. Luckily. Ok, bah je crois que c'est bon alors. Ouais, c'est bon. Give my regards to Phineas. Ok. Ici, je peux sortir. Bon, bah c'est par là, c'est pas mal. On a avancé un peu dans la quête principale, en faisant donc une quête secondaire, sinon on pouvait pas avancer. Donc c'est pas mal. On va encore terminer juste ça. Avec plaisir, je vous en irai plus. Pas question que je revienne. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. But I must admit I have grown rather fond of you. As Neoka can attest, I do not form attachments with many. Do take care. Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. He really does like you, Captain. What in the void blasted hell is that? Oh. Oh là, c'est quoi ça? Oh. Là, ça devient intéressant. C'est nouveau. C'est plus des quêtes, machin. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. C'est un vaisseau à qui, ça? How it affects.
Liars and Fools, Sanjar! What are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram! Hiram, are you there? Quelqu'un m'explique ce qui se passe. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel! I'm more than finished with you lot. D'accord. Donc... ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Par contre, module de ciblage. Ah d'accord, il s'est crashé là-bas. J'aurais dit dans le coin là-bas, mais d'accord. Bon, on ira de toute façon l'attaquer, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à aimer si cela vous a plu. Et moi, je vous dis donc à bientôt. Pour la suite.